maintenant. C'est de la répression grotesque. Mais est-ce qu'on de va bonnes dire... femmes tarées. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a trop d'enfants. Comment ça se fait que je suis le seul à... Toi, tu dis, c'est gênant. Je suis le seul à dénoncer avec véhémence des attitudes culturelles épouvantables. Mais tout ça est toujours... Épouvantablement répressives. Et c'est les bonnes femmes qui sont à la barre de tout ça. Mais c'est toujours justifié, Pierre. La on maudite dit... culture est transmise via les bonnes femmes. Et quelques féminisées. Oui, oui. C'est toujours justifié, Pierre, en disant que c'est le rendement au final, c'est la discipline. C'est comme ça qu'on justifie ces comportements-là, d'autorité. Qu'est-ce que la bonne femme cave de la maternelle a dit à Sophie? Si, Sophie, si je m'étais pas intervenue, là, ton morveux, j'en aurais donné une contravention à tous les jours. Oui. T'as-tu compris ce qu'elle a dit? Ah oui. Mais oui. Elle mériterait d'avoir un coup de pied dans le cul pis d'être crissée dehors, cette bonne femme-là. C'est plein de cette race-là au Québec. Bon, ben, si ce qui est raconté, c'est ça, Pierre, c'est un manque d'ouverture. Alors, c'est un manque d'ouverture face aux enfants. Vous surprendre qu'on se délègue un garde-fou. Il est le reflet de la répression collective québécoise, notre garde-fou. Alors, on va au propos de Monique, au vécu de Monique. Bonjour, Monique. Bon, je vais me calmer. Bonjour. Bonjour, Monique. Avant, Dr. Mayou, là, c'est la dame qui vient d'appeler. Moi, je veux vous parler de leadership, là, puis d'équipe, là, puis ça, en tout cas, de travail, là. Quelqu'un de bon qui peut faire quelque chose de bien, là, tu sais. Mais avant, la madame qui a appelé tantôt, la semaine dernière, j'ai un petit neveu qui est venu avec sa mère puis son père, bon. Puis, en les installant dans l'auto, lui, il a 4 ans. Il a 5 ans, puis la petite a 4. Sa mère voulait placer la petite, puis elle l'écoutait pas. Elle dit, ça suffit, Jade, tu vas faire ça, puis moi, à la garderie. Le petit supplice un œil, il dit, c'est la consigne. Le soir, son père élève la voix pour lui parler. Hey, Pat, tu devrais être préfet de discipline. Ils font toute la journée, fais pas ça, assis-toi là, fais pas ça, t'as du là. Fait qu'ils finissent bon, par Monique, vous me faites plaisir. Dites-moi pas qu'il y a quelqu'un qui allume. Ah ben, moi, je garde les enfants chez nous, puis je suis chanceuse, j'en ai pas. J'ai dit souvent parce que je suis une grand-tante puis la grand-mère est morte. Je vous dis, les garderies sont en train de nous fabriquer une génération de drogués. Ben, coudonc, ils vont avoir été tellement consignés, gamins, qu'à l'adolescence, là, ça va tilter. Ils vont être tellement malheureux que en forte majorité, ça va devenir des adeptes de paradis artificiel. Ah, oui, moi, alors, la drogue, les vendeurs de drogue, là, vous êtes en business pour longtemps. Et attendez, Janine, j'ai une surprise pour toi. Pour ceux qui pensent que je dérape, je t'annonce que très prochainement, nous allons parler de la journal La Presse à la page 2 dans le cahier actuel de ce matin, Janine. Oui. Les adolescents parisiens aisés consomment plus. Ben oui. Et quand oui. je te dis consomment, ben ils oui. se droguent. Ben oui. Alors, Janine, on n'en dit pas plus que ça. Sujet, Janine. Ils ne sont pas obligés de faire des coups pour n'avoir. C'est ça. Hey, c'est rien. C'est là que c'est moins pire. Monique, les adolescents là, des milieux aisés, c'est pas juste la drogue. C'est, ils sont aperçus, les petites filles prennent des pelunes. Ah, les petites filles aux pelunes, puis les gars à l'alcool puis à la drogue. Ah, oui, c'est ça. Ça, c'est le fun. Ouais. Ils font des melting pots le soir, là. Mais tout Monique, ça... Monique, les consignes. Mais Pierre... C'est important d'attacher les gamins dans les autos. Oui. C'est pour leur sécurité. C'est correct de faire attacher, mais de faire dire, la façon que sa mère avait pris le ton, était nerveuse, l'autre, il dit, c'est la consigne. C'est la consigne, ma petite sœur. Toute la journée, il se faisait dire des affaires, là, tu sais, gagnez-moi là. Et pourtant, les parents sont issus de la génération de la grande liberté. Pardon? Mais oui! Non, Janine, garde. Pierre! Je vais t'expliquer quelque chose, là. Hey, dans les génération de la grande liberté, là, OK? Il y a 3-4 poteux de cette génération-là, qui sont allés fourrer plein cul avec n'importe qui, puis en groupe souvent. C'est tout. Alors, ta génération, là, de grande liberté, là, ça se résume à ce que je viens de dire. Ils ont fait voler bien des tabous. Ils ont fait voler... Non, ils ont rien fait. Écoute, hey. En tout cas, bon. Oui. Ça, pourquoi j'appelais, c'est que je suis infirmière. Moi, je me suis fait traiter de manque de leadership. Puis mes employés m'ont défendu. Fait qu'il y en a un de 52 ans, il a un mot malheureux, il dit, ben avec Monique, il dit, on peut faire n'importe quoi. Je dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Non, il dit, moi j'ai 52 ans, puis il dit, je ferais n'importe quoi pour elle. Parce que j'avais 35 malades, ça fait pas 50 ans, là, j'avais 35 malades, j'avais 2 équipes, puis j'avais des malades à moi en plus. Fait que là, mon idée, c'est que tout le monde savait que j'étais l'infirmière, j'avais pas besoin de leur dire. Puis je donnais la valeur à chaque travailleur comme le préposé autant que l'infirmière que l'auxiliaire, OK?
Mais là, je manquais de leadership parce que je donnais pas d'ordre, voyez-vous. Ouais. Non, vous faisiez du petit Claude Julien. Elle n'inspirait pas la peur. Ne donnais pas d'ordre. Et puis imaginez, je m'abaissais, savez-vous pourquoi j'étais hypocrite un peu, par exemple. Je donnais un petit bain de temps en temps, moi, c'était pour voir l'état des peaux de la peau des patients. Oui, oui. Mais par contre, ça leur donnait un petit coup de main. Quand moi, j'avais trop d'ouvrages, je laisse faire Monique puis tout ça, tu sais. Oui. J'ai toujours réussi l'atmosphère. Mais c'est quoi cette affaire-là d'être en position d'autorité puis de ne pas donner d'ordre? Monique! Ben moi, on est au Québec! On est dans une culture de tarés! Docteur Mayou, moi j'ai appris. Qui a besoin de garde-fous! Ben, puis on envoie même une gang, là, nous représenter! Moi j'ai pas besoin de garde-fous, la folie ça porte pas toujours à tuer. Oh! Non mais, gardez. Vous avez pas besoin de garde-fous, puis Janine, puis moi aussi, on est trois! Regardez, Docteur Mayou, je vais vous demander la spontanéité, vous, ça vous coûte cher, moi aussi ça m'a coûté cher. Yes! Savez-vous quoi en affaire? Hein? Ça m'a. C'est bizarre, hein? Ça m'a causé du trouble. Moi aussi. Mais ça m'a pas coûté cher. Ça l'a empli mes poches. Ah, ben, pas moi, je suis pas cher. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle cet après-midi. J'ai une très mauvaise nouvelle cet après-midi. Ma grande gueule, à date, ma grande gueule et ma spontanéité m'ont très bien fait vivre. Hey, Docteur Mayou. Oui. Faudrait que vous fassiez une émission une bonne fois sur les jumeaux identiques. Moi, j'ai une soeur jumelle, là, puis ça se peut pas, c'est épouvantable. On va refaire ça, Monique. Parce qu'un couple, vous pouvez divorcer, mais oubliez pas que les jumelles n'ont pas de divorce. Pas. On va refaire ça. Janine, qu'elle vient de dire est important. Oui. C'est que c'est l'histoire du divorce entre jumelles. C'est important, terrible, j'aime ça. Terrible, docteur. Je vous parle, puis je suis sûr qu'elle écoute, parce que ça va pas, j'appelais, mais... écoutez, là... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi qu'on ne peut pas divorcer d'un jumeau identique? Parce qu'on n'est pas marié. Non, parce que c'est un clone. Un clone, je comprends, maudit. Je me suis dit bonjour dans le miroir l'autre fois. Ça se peut-tu? Oui. Puis des fois, je parle à ma voisine à tout à l'heure, elle dit, Monique, j'ai parlé de ta affaire après-midi. Oh oui, non, c'est un clone. C'est un clone. Un clone, c'est une copie identique. Ben oui. Donc, ça vibre beaucoup. Là. La séparation, elle est difficile. Oui. Alors, c'est pas... Vous savez, il s'agit... J'ai une fascination pour les jumeaux. Attendez un petit peu. Parce que les jumeaux identiques nous permettent de mieux cerner des particularités du psychisme humain. La compréhension des jumeaux identiques nous amène à une meilleure compréhension du psychisme humain. Je vais écrire un livre. Oui. On va refaire ça, promis, Monique. Oui, mais Janine, c'est... Oui. Écoute, c'est important, là, parce que nous autres, là, les jumelles, c'est terrible. Tout le côté serré, puis la bédaine nous fait mal qu'à l'autre, à mal au ventre. Écoutez, c'est un clone. Oh. C'est une copie identique. Moi, je pensais que c'était unique, docteur. Vous venez de me démolir. Monique... Elle voulait divorcer. Non. Elle peut pas. Janine, je suis pas capable. Ce que Monique vient de dire est absolument suave. Oui. Oh, mon Dieu, je croyais... Attendez. Oui. Vous venez de dire quelque chose qui est extrêmement lourd de conséquences. Je le sais. Je croyais que j'étais un modèle unique. On est deux. Imaginez la souffle plus que moi, parce qu'on veut s'égaler, si vous voulez. Mais tu sais, il y en a toujours une des fois, en tout cas. Vous savez, la pire chose qui peut survenir entre deux jumeaux identiques, c'est la compétition. Ben oui. Parce qu'il n'y en a jamais un qui va gagner. Alors, Monique... Ils ne peuvent pas se dépasser. Quand on va faire l'émission, Monique, vous rappellerez... Ah, c'est le fun, puis pour le leadership continue, là, j'aime ça. Merci. Vous savez, Monique... Oui. Ouais. Janine Ross. Une bonne personne qui est honnête, qui a pas de malice, peut-elle, un facilitateur dans les relations familiales, de travail, peut-elle avoir un leadership? Est-ce qu'elle peut progresser aussi rapidement qu'un pitbull? C'est notre question aujourd'hui. On parle à Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour, Paul. J'ai enseigné dans une école, si par exemple, vous prenez le palmarès de l'actualité, c'est qu'il faudrait le lire à l'envers pour savoir qu'est-ce que la dernière école qui existe, ou une des dernières. Et puis, c'est qu'à un moment donné, je lui enseigne là les 10 dernières années. Et puis, il est arrivé un personnel de direction dans cette école-là, que c'était des gens qui étaient plus scolarisés. Et puis... Vous voulez dire à la direction? Pardon? C'était des personnes qui étaient peu scolarisées à la direction. Ouais. OK, oui. Ben, c'est une école de rien. C'est une école de misère, ça, là, pour les miséreux? Ben, il y a un taux de bien-être social. C'est une école pour les bien-être. OK, on l'a compris. Bon. Et puis... Multiethnique ou uniethnique?
Dans mes, au point de vue ethnique? Ouais, c'était-tu multi-ethnique ou... Il y avait plusieurs classes multi-ethniques. Au lieu de vous demander, est-ce que c'était des bien-être social blanc ou un ramassis là, de barbouillés de différentes couleurs? Mais il y avait différentes couleurs. Il y avait différentes couleurs. Parfait. Et puis, dans ma classe, moi, j'avais une classe d'adaptation. Ouais. Et puis, ces 10 années-là, je réussissais toujours bien. Arrête donc! Puis quand vous parlez de classe d'adaptation, Paul, c'est des cas qui étaient un petit peu plus difficiles? Oui, c'est très difficile. OK. On vous réussissait bien avec une gang de barbouillés? Oui. Ah ben. Comment ça a tourné, votre affaire? Mais j'avais beaucoup de scolarité, là, maître Meilleur. Oui. Vous pouvez m'appeler Pierre, même ça me dérange pas. Et puis, c'est que par l'habitude, parce que j'enseignais dans une école professionnelle avant, puis j'avais beaucoup d'expérience, c'est que je réussissais très bien au niveau de les matières académiques. Oui. Ça marchait très bien, puis ça allait très bien, puis les étudiants m'aimaient beaucoup aussi. Ah non. Ah là, le bordel va prendre, je le sens. C'est comme Monique tantôt, le bordel va prendre. Les étudiants m'aimaient. Ah, ça, là, ça, c'est mortel pour un enseignant. C'est tellement le fun pour les étudiants. Ah! D'aimer leur prof. Dans bien des écoles, c'est mortel. L'enseignant va être dans le trouble. Pour ne pas dire dans la marde, carrément. Vous êtes-vous retrouvé là-dedans, Paul? Ben, écoute, Janine, c'est écrit dans le ciel. Écoute, une direction de taré, il enseigne à des Mongols, puis il réussit bien. Ah! Le gars est dans la merde. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a mis tout simplement dehors. Ben oui. Complètement. Mais oui, parce que vous faites mal paraître les autres, Paul. Vous faites mal paraître tous les autres au-dessus de vous. Faut comprendre l'humain. Puis en plus, vous prenez des arriérés, puis vous les aidez à s'élever rapidement. Puis vous avez du talent, puis ils vous sont reconnaissants. Ça marche pas dans une école, dans la culture de taré, ça. Puis je vais vous expliquer quelque chose. Allez-y. C'est que mes examens, je les faisais corriger par la conseillère pédagogique de la commission scolaire. Ouais. Parce que je voulais pas, moi, que les notes se soient attribuables à de la fausseté que je pourrais faire. Oui, je comprends. J'ai été jusque-là. Hey, vous étiez baveux, en plus. Pour faire corriger mes examens, je voulais pas toucher à ça. Oui. Oh! Pour que ce soit impartial. Non. Vous étiez imbuvable dans le système. Les parents m'aimaient beaucoup aussi. Ah ben là, écoute, arrêtez d'en remettre, là. C'est déjà plein. Avez-vous continué d'enseigner ailleurs, par exemple, Paul, ou ça a mis fin à votre carrière de professeur? Oui, puis je vais vous dire que ça a mis fin? Les professeurs qu'il y avait dans cette école-là m'ont pas soutenu du tout. Ben là, écoutez, Paul, mettez-vous à leur place. Ils sont pas bons, ils sont pas compétents, puis ils aiment pas leur travail. Il y en a un qui se présente. Il fait bien sa job, les élèves fonctionnent bien, les élèves apprennent, les élèves s'élèvent. Les parents aiment le prof. Ah ben. Non, il faut... Mais c'est quoi cette affaire-là de pas comprendre le monde? C'est évident que vous allez être crissé dehors. Ah, je vais vous présenter quelque chose aussi. Mais Paul, c'était pas clair. Avez-vous continué à enseigner après ça, après cet épisode-là où vous avez été évacué? Ben là, c'est que j'ai été accepté après dans une école privée. Oui. Qui est la numéro 1 dans la région de Québec ici. Très connue. Puis j'y ai pas été parce que finalement j'étais à ma retraite. Là. Oui. Et puis donc j'ai pas récupéré par l'école. Ah ça c'est par typique. Si vous saviez le nombre de personnes qui suivent votre chemin là. Écoute, le meilleur dans une école de taré qui se ramasse, qui est récupéré par le privé. Ça c'est écoute, c'est écrit dans ça aussi c'est écrit dans le ciel par exemple. Alors vous devenez invivable pour les autres enseignants de votre école et particulièrement pour la direction de cette école là. Parce que vous leur prouvez qu'ils sont pas bons. Comprenez-vous, Paul? Votre réussite démontre qu'ils sont dans le champ. Ils ne pourront pas vous tolérer. Avez-vous fait cette analyse-là? Moi, mon bien, je le faisais avec les élèves. Je ne me faisais pas ça. Exactement. Oui, je comprends. Ouais. Mais vous avez négligé une partie essentielle qui est comment vous étiez accepté, reçu par vos pères, vos congénères. Mais et la direction. Pour sauver sa peau, Pierre, il aurait dû fallu qu'il soit hypocrite. Qu'est-ce que tu fais quand t'aimes ce que tu fais? Janine. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour sauver sa peau, par exemple? Il n'était pas à sa place. Bon, c'est-tu clair? Il n'était pas à sa place. Il était à contre-courant du microcosme, du micro-milieu, du petit milieu de taré dans lequel il était. Il n'acceptait pas de niveler par le bas. Ben non. C'est ça. Alors, il voulait réussir, puis il voulait que ses étudiants réussissent. Oui. Puis ce milieu-là voulait que Paul ait besoin d'un garde-fou.
Ça colle? Paul, j'ai pas besoin d'être ça. Moi, il dit les élèves même. Les parents même. J'ai pas besoin de personne. Alors, ça marche pas, là. Paul, merci beaucoup. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Ben voyons, hey, je commence à connaître l'être humain, petit brin. Je suis directeur d'école, j'ai besoin de rien. Mais oui. Moi-même, puis ma classe, puis mes parents. Oui. Écoutez, vous êtes un emmerdeur parce que vous avez pas besoin de rien, puis les autres, ça allait pleurer à tout bout de chaîne dans le bureau. Il y a des élèves délinquants, il y a des élèves qui m'écoutent pas. Exactement. Les parents m'aiment pas. Ben oui, puis vous dites jamais un mot, hey, vous devenez insupportable pour votre corps professoral. Vous avez complètement raison. Ben voyons! Ça vous permet de comprendre, voyons. Paul? Oui, ça me permet de comprendre. Voyons, c'est écrit dans le ciel, mon cher Paul. C'est ça, le Québec. Mais quand t'es pris là-dedans, le Québec a besoin de garde-fous pour garder ses fous! Mais hey, Mayou, après-midi, là, t'es démentiel. Mais Paul, quand tu constates... Bonjour, Paul. Bon, je me tève, ça n'a plus de bon sens. Janine, je t'écoute, là. Mais c'est ça. Lui, il se retrouve là-dedans, là. En tout cas, j'ai perdu mon idée. Vous parlez trop fort, Pierre, cet après-midi. Janine, oui. C'est aussi ça, le Québec. Et c'est surtout ça. Tu vois, là, hey, ça fait plusieurs appels qu'on c'est a similaires, là. Un après l'autre, Janine. Mais ce que je voulais dire, Paul, là, au final, il a pu s'analyser comme étant une personne faible. Il n'est pas faible. Il a fait ce qu'il fallait faire pour... On lui demandait d'élever des élèves, tes élèves. Oui. Tes élèves. Oui. Tu les nourris. Oui. Tu leur apprends l'autonomie. Oui. Tu leur apprends à dépasser leurs difficultés. Mm-hmm. Il faisait très bien sa job. Il n'était pas un faible. Mais il a pu s'analyser lui comme étant un être faible. Ah oui. Parce qu'il a été éjecté du système. C'est mais ça. Il n'est pas un faible. Ah non, il était le meilleur. Mais c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est le problème du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal est incapable de tolérer des joueurs de talent depuis 12-15 ans. Que tu laisses aller parce qu'ils sont talentueux, puis tu fais juste redresser le tir, là, juste un peu. Dès qu'il y en a un qui sort la tête du groupe, il va se la faire couper, non. Montréal. Mais c'est partout pareil, d'abord. Ben, c'est... Quand tu dis niveler par le bas... Merci, à l'école. Vois-tu, c'est pour ça qu'on réfère au Canadien de Montréal, parce que c'est le reflet et le bonnet. Comprends-tu? Parce qu'ils sont le reflet de ce que nous sommes. Voyons-nous dans ces événements, ces groupes, ces individus-là. Nivellement par le bas, si tu sors la tête, tu te la fais couper. C'est ça la conclusion? Non, non, c'est sublime, l'appel de Paul. Retour au jeu de Richard Zetnik. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Une personne qui est une bonne personne, qui est honnête, qui a pas de malice, qui est un facilitateur, qui aime avoir des relations humaines, chaleureuses, de compréhension, reçoit. Est-ce que cette personne-là va progresser aussi vite qu'un pitbull? Bon, alors on parle à Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Vous m'entendez bien, oui? Très. Moi, je voudrais vous dire félicitations pour votre émission. Puis en plus, je vous écoute quand je m'en viens sur la route pour aller travailler le soir. Puis la route me paraît moins longue, mettons. OK. Bien content. C'est le fun. Ça passe plus vite. Je voudrais vous dire aussi, Doc Mailloux, quand vous êtes en feu comme aujourd'hui, là, j'aime bien ça. Je suis pas en feu, je suis en maudit. Pour revenir au sujet. Ça me fâche, ces choses-là. Tu sais, l'appel de Sophie tantôt, la maudite folle à l'école. Oui. Tu sais, le petit bonhomme, là, la première journée, puis il glisse quelques mots à une petite fille, il y a 5 ans, à maternelle, elle lui colle une contravention, puis elle dit à sa mère qu'elle aurait pu lui en donner à tous les jours. Ben oui. Tu sais, on tolère ça. Puis ensuite, on se prétend civilisé et respectueux. C'est une maudite cave. Pour revenir au sujet du jour, Doc Mailloux puis Mme Ross, c'est que moi, je voudrais parler un petit peu. En 93, vous savez ce qui s'est passé ici à Montréal au sujet du Canadien? Non, qu'est-ce qui s'est passé, là? Rappelez-nous. Ben, on avait un analphabète qui dirigeait le Canadien de Montréal. Il fallait que tout le monde soit analphabète pour être positif comme lui, là. C'est grâce à sa positivité que le Canadien était aussi loin que ça cette année-là. Ouais, oui. Parce que lui, il réunissait ses gars, puis il disait, regardez, on a fait ci, on a fait ça de bon, regardez comment c'est beau, regardez les beaux jeux, puis il sortait les beaux jeux. Oui, Jacques Demers. Exactement. C'est Jacques Demers, oui. Exactement. Moi, je voulais vous parler aussi, un petit peu aussi au sujet du hockey, parce que moi, j'ai un adolescent de 17 ans, qui va avoir 17 ans bientôt, dans une couple de mois. Puis, il joue au hockey depuis qu'il est tout petit. J'en ai vu des vertes puis des pommures là-dedans. La semaine passée, je voudrais vous conter un petit peu quelque chose. Son entraîneur, on l'endure, moi puis mon épouse, parce que nous, on vient du Saguenay, puis on n'a pas notre langue dans notre poche. Hein? Arrêtez donc! Fait qu'à un moment donné, C'est quand même que les gens sont au Saguenay ont des langues. D'ailleurs, dans la province, il y en a si peu ou pas. Ouais, c'est ça.
Ben moi, je voudrais vous dire qu'à un moment donné, c'est parce que cet entraîneur-là, il regarde les jeunes de travers, crie après eux autres. Patati, patata. Ma femme a dit à un moment donné, mais je descends, moi, en arrière, là. Je dis, non, tu feras rien dans l'aréna. Il y en a assez qui font de conneries de même au Québec dans les arénas, là. Laisse-les feuilles. Fait qu'à un moment donné, dimanche matin passé, mon garçon, il travaille, puis c'est un bon adolescent. Il travaille, il va à l'école, puis tout ça. Fait qu'il a travaillé jusqu'à minuit et demi le soir, le samedi soir. Fait que le dimanche matin, dimanche midi, il y avait une game de hockey. Fait que moi, j'étais pas levé encore. Fait qu'à 11h30, midi moins quart, excusez, j'étais un peu nerveux, le téléphone sonne. Oui. Puis c'est moi qui réponds. C'était justement cet entraîneur-là au bout de la ligne. Oui. Fait qu'il blague, il commence à crier. « Calisse, il y a une game de hockey. Jimmy, qu'est-ce qu'il fait? » Puis là, tu sais, il était tout énervé. J'ai dit « Hey, toi là, là, le clown, là, le gros Chris, là. » Il dit « Tu parles pas à un jeune de 17 ans, là. » Il dit « Là, tu fermes pas ta gueule drette là, là. » Il dit « Moi, y aller te chercher en arrière du bain, moi, tabarnak. Tu vois, tu ferais même pas ça. J'ai pas 17 ans, moi. » Puis des jeunes, tu vas arrêter de crier après eux autres. Puis peut-être que tu arrêterais de crier après eux autres, ils seraient à l'heure à leur game, ils seraient bien plus motivés que ça. C'est vrai. C'est exactement. Fait qu'ils se laissent fermer à boire, tu sais. Fait que là, après ça, on se rend vite, vite, vite à l'aréna, tu sais. À un moment donné, entre la première et la deuxième, il m'a vu, tu sais. Moi, je n'ai pas fait de cas, je jasais avec des amis, puis tout ça. À un moment donné, j'ai vu l'adjoint de ce coach-là, l'entraîneur adjoint. Puis j'ai dit, Yvan, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, lui, là, il faudrait qu'il change ses attitudes, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai dit, en plus, là, il s'est pogné après moi tantôt. Ouais, mais il dit, tu connais Sylvain? Oh, excusez, je ne voulais pas le nommer, mais en tout cas, si tu reconnais, tant mieux, là. C'était pas voulu, hein. Rémi, c'était pas voulu, hein. C'est pas des comportements privés, c'est des comportements qui se passent en public. Ben, oui, c'est ça. Ben, c'est qu'à un moment donné, il dit, tu le connais, puis tout ça. Ben, j'ai dit, gars, il va falloir qu'il change d'attitude, parce que moi, il me connaît pas, là. Puis là, à un moment donné, là, quand ça va être assez, là, ça va être assez, là. Ah. Fait que j'espère qu'il a compris le message. On va voir ça au prochain match. Puis en passant, moi, je voulais vous dire aussi, Doc Mayo, vu que moi, chez nous, j'adore les adolescents, d'une manière pas... vous savez quelle manière qu'on parle, là, mais moi, je parle d'une manière que je les comprends, parce que j'ai été un adolescent qui était un petit peu turbulent, si on peut dire ainsi, là. Puis ensuite de ça, eux autres, ils viennent chez moi, j'ai une table de poule en bas tout ça, là. Ils sont libres. Quand ils viennent chez nous, ils sont libres. Je demande juste une chose, le respect de ne pas me briser du stock puis qu'il n'y a rien qui parte. C'est ça. Puis avec ça, je m'attire des chums. Regarde, l'ami à mon gars travaillait, comme je vous ai dit, samedi passé. L'ami à mon gars, il demande à mon gars pour aller au hockey au Centre Bell. Son père avait des billets, son père pouvait pas y aller. Fait qu'il dit, j'aimerais ça y aller avec ton père. Hey, c'est fait tout un compliment, ça. Quelle récompense, oui. Tu sais? Fait que je suis allé au Centre Bell, puis j'ai passé une excellente soirée. J'ai jasé avec le jeune, parce que le jeune a eu des problèmes un peu avec son père. Puis j'ai dit, tu sais, c'est pas évident toujours d'être papa, tu sais. J'ai dit, oublie pas une chose. J'ai dit, plus tu vas faire de gaffe envers ton père, j'ai dit, quand tu seras plus là, c'est là que tu vas regretter tes choses. J'ai dit, essaye de jaser avec. Si tu jases pas avec, t'es cuit, puis lui, il est cuit avec. Non, mais Rémi, regardez, oui? Juste une nuance. Oui. Il ne faut pas mettre sur le dos des enfants le soin d'améliorer la compétence parentale de leurs parents. Oui, mais il faut que les deux fassent leur pas un peu. Non. Il n'appartient pas aux enfants d'améliorer la capacité parentale de leurs géniteurs. OK, oui. C'est juste ça la nuance, là. Pour un bon parent, Pierre va avoir de la misère à comprendre ce point-là, peut-être. Parce que ton rôle de père, Rémi, probablement qu'il joue bien, là. C'est ça. C'est peut-être juste là. Parce que autrement, on culpabilise ces jeunes-là. Ouais. On les rend responsables d'améliorer le comportement de leurs parents. Hey, écoutez. Ouais. Lequel qui est venu en premier, là? Ouais, exactement. Tu sais, c'était à la poule à couver l'œuf. Batin, c'est pas à l'œuf à prendre soin de la poule. Mais le exactement. Gars, le jeune. On va le régler le problème de la poule et l'œuf. C'est à la poule à couver l'œuf. Et non pas l'inverse. Mais le jeune gars qui est sorti avec Rémi, c'est quand même une grande marque de confiance. Oh, oui, ce jeune homme-là va savoir qu'il y en a des bons pères. Alors dans ce temps-là, on dit pas un mot, puis on accepte d'être un peu un substitut. OK, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est une bonne personne, quelqu'un qui a pas de malice, va-t-elle progresser plus vite? Va-t-elle faire progresser les gens autour d'elle plus vite qu'un pitbull? On parle cette fois-ci à Carole. Bonjour Carole. Vous fait résonner quoi comme expérience, ça? Ça me fait rappeler des souvenirs épouvantables. Oh. Je vous remercie pour votre belle émission qui informe. Merci à vous, Dr Mayou, que malgré tout ce que les gens peuvent dire, vous avez quand même raison. Merci à vous, Mme Ross, d'être là puis de nous permettre de dire ce qu'on pense vraiment. Je me rappelle... Merci à vous d'être là parce que sinon,
on pourrait pas avancer. C'est vrai. Depuis plusieurs années, puis ça m'a ouvert les yeux, puis la conscience de ce que j'ai connu quand j'étais au primaire. Oui. Dans ma charmante école, quand la maudite cloche sonnait, là, le troupeau devait se placer en rang de gnons, deux par deux. Oui. Silence dans les rangs. Oui. Bon. Puis là, là, les petites maudites maîtresses d'école du temps, là, qui se promenaient avec leurs petits carnets pour écrire les noms de ceux qui avaient dit un petit mot. J'ai parlé. Bon, ben, le vendredi après-midi, c'était on nomme tous ceux qui ont parlé dans les rangs, puis il faut qu'ils montent sur le strade, là, dans le gymnase. On les humilie. Mmh. Publiquement. Séance d'humiliation collective. Humiliation. Là, j'avais de la peine. J'avais les larmes aux yeux parce que dans ma classe, on était quand même des gens très, très moutons. On avait tellement peur de l'autorité. Mmh. Puis il y avait une fille dans ma classe qui mesurait presque 6 pieds. Une fois. Elle était plus grande que toutes les autres, naturellement. Mmh. Elle s'est fait prendre à dire un petit mot. Mmh. C'est elle qui était sur le... J'avais assez de peine pour elle. Elle était sur l'estrade. Puis après ça, là, Dr Mayou, fallait chanter le « Au Canada ». Respectera nos foyers et nos droits. Là, fallait... Il était là, tous ces gens-là, là, avec le grand salut au drapeau, là. Je voulais mourir, je les haïssais, puis je pouvais rien dire. Au secondaire, je me suis repris, par exemple. J'ai été un petit peu plus tannante. Parce que là, quand t'es jeune, quand t'es petit, t'as pas vraiment droit de parole, on t'humilie. Là, ça a moins bien fonctionné avec moi au secondaire. On nous disait, là, tu choisis deux activités différentes pour la journée sportive. Puis moi, ben, étant donné que là, j'étais dans une période que non, il n'y en était pas question. J'ai marqué deux fois, puis j'ai incité trois autres amis de marquer une activité deux fois, puis d'écrire en dessous ou rien. Imaginez-vous donc, ça n'a pas été trop long, j'ai été demandé au bureau du directeur. Oh, insubordination. Mutinerie. Un geste de mutinerie. Ben oui, bien sûr. J'ai dit à mes trois amis, j'ai dit, vous autres, vous dites rien, parce que c'est pas votre idée, c'était la mienne. Vous dites rien, les filles, il y avait envie de pleurer, ils savaient plus quoi faire. J'ai dit, non. Hey, on se tient debout, la colonne, là, minute. Puis c'est moi qui a eu cette idée-là. Donc, c'est moi qui nous sort de ce bourbier-là. Oui, c'est ça. Vous avez pris la responsabilité. Bien sûr. De votre geste. On est arrivé dans le bureau du directeur qui était un méchant baveux. Oui, tout ce qu'il y avait de plus baveux dans le temps, là, c'était plus les femmes qui dirigeaient les écoles. Là, c'était lui, là, ce grand baveux-là. Oui, puis un vrai féminisé. Ah, non. C'est un bonhomme à coups de poing sur la gueule aux jeunes garçons. Puis lui aussi, là. Oui, c'est pas parce qu'un homme donne des coups de poing qu'il n'est pas féminisé. Vous savez, regardez, je vais vous dire ceci. Un homme adulte, mature, masculinisé et viril, donne jamais coup de poing sur la gueule à un enfant. Jamais. Bon, ben là... OK, à ce moment-là... Alors, c'était une pissette molle, féminisée, frustrée, avec tout ce qui va avec. Bon, alors... Ça donne des coups de poing sur la gueule aux enfants et aux femmes. Mais là, voyez-vous... C'était probablement un batteur de femmes, en plus. Vous venez de démolir l'idée que Carole avait gardée de cet homme-là. Bon, mais écoutez, C'est une pissette molle. Faut réviser. C'est ce qu'on génère au Québec. C'est ce genre de bozo-là qu'on génère. Bon, en tout cas... Ça puis des garde-fous. On en avait un comme directeur. Oui. J'ai fait perdre les pédales. Oui. Ben oui, vous êtes écouté. Une pissette molle, ça se sent menacé. Vous aviez quel âge, à peu près 15 ans, 16 ans? À peu près 14-15 ans. 14-15 ans? Oui. Oui. Puis là, ben, j'ai fait perdre les pédales. Ben oui, puis cette molle, ça perd les pédales facilement, ça. Parce que je lui disais, écoutez-moi bien, là. Vous m'enverrez pas faire du ski, j'aime pas ça. Puis vous m'enverrez pas faire du patin, j'aime pas ça. Moi, je veux faire telle activité, puis c'est ça que je vais faire. Sinon, je vais rester chez moi, c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Je vais rester chez moi, je n'irai pas à maudite journée sportive. Ouais. Puis là, ben, t'as pas d'affaires à faire, on avait une consigne, puis c'était ça, puis tatata. Ben, j'ai dit... On vous avait donc raison. Là, j'y ai donné raison. Elle sait qu'il y en avait l'air fou. Arrête de dire ça. Puis arrête de dire ça. Non, je veux pas que tu dises ça. J'ai dit, c'est ça que vous voulez entendre, que vous avez raison. C'est ça que vous voulez.
qu'on s'écrase devant vous puis qu'on demande pardon d'avoir écrit ce qu'on voulait réellement. Ben alors, vous avez raison. Si on est méchant d'avoir dit ce qu'on voulait réellement, ben croyez-le ou pas, on est allé faire l'activité qu'on voulait. Ah, vous avez gagné. Oui. Oui. En rien de lui, à pleine face. Là, j'ai vieilli naturellement. Puis là, imaginez-vous que j'ai commencé à travailler dans le domaine... Je dirais pas. Ça, c'était dans le temps que certains patrons d'entreprises abusaient sexuellement de leurs employés. Et moi, la méchante, j'ai refusé de baisser mes culottes. Puis j'ai dit, à un moment donné, parce qu'il m'a congédié, parce que je voulais pas baisser mes culottes, il m'a congédié, et il s'y est pris d'une belle façon. Il me dit, Carole, t'es-tu déjà chicanée avec son associé? Je dis pas du tout, jamais. Ça a toujours bien fonctionné avec M. Intel. Et je comprends pas. Il dit, il a l'air à pas vouloir. En tout cas, il se passe des choses. Là, il voulait me faire allumer une petite cloche. Il est encore temps pour toi là, d'accepter de devenir ma maîtresse. Je te demande pas grand-chose. Une fois par mois, ah, et tu vas être la fille la plus heureuse de la ville. C'était oh, la mieux payée. Chantage. Le logement. Tu sais, quand on travaille à 4 piastres de l'heure, là, c'est difficile de refuser une offre comme ça. Ouais. Ben, j'ai dit, écoutez-moi, ben, vous m'intéressez pas. Puis, je baisserai pas mes culottes pour ça. Puis, non, j'avais été congédiée, là, je m'excuse. Là, il m'a fait revenir à temps partiel pour boucher les trous. 4 heures, puis là, il me donnait mon 4 piastres en dessous de la couverte, là, en rien de moins. Puis en me disant, dépense pas tout ça en fin de semaine, un gros 16 piastres. Hey. Hey, dépense pas tout ça, là. Non, mais... En voulant dire, regarde, si t'avais accepté ma proposition, oh, oui. Là, hein? Là, je suis revenue au travail, finalement, il m'a donné une autre chance, le bonhomme. Puis là, ben, ça, le petit jeu a recommencé. Puis là, à un moment donné, ben, c'est parce qu'il me faisait toujours revenir le soir quand la place était fermée. Mm-hmm. Puis il me disait que je pouvais hurler, crier, faire n'importe quoi, que personne m'entendrait crier. C'était assez épeurant. Oui, c'est ça. Pour une fille de 19 ans, là. Oh, oui, il y a eu beaucoup de chantage. Et c'est pas chic, ça. Bon. Dans quelles années, ça, on était dans les années? 77, 78. Oh boy, on n'était pas à l'âge de pierre, là. Non. Puis là, ben, j'y ai encore dit. J'ai dit, il n'y en est bien pas question, ce sera pas une job en échange de mon cul. Ouais. J'ai dit ça bête de même. Ouais. Il est venu rouge Bourgogne. Puis là, naturellement, j'ai eu mon bleu, hein. Ouais. Ça, c'était la dernière chance. Ça a été la dernière fois. Il a essayé de vous faire mariner. Après ça, il vous reprend. Ouais. Là, la vie continue, là. J'ai continué dans ce domaine-là, puis à un moment donné, j'en pouvais plus, parce que c'était toujours des professionnels de la santé, là. On parle pas de ticounes dépanneurs du coin, là. On parle de personnes que, oh, ces gens-là se lancent en politique, à un moment donné, ces gens-là sont reconnus partout dans le milieu. Puis dans ce temps-là... Nommez-les pas. Non. S'il avait fallu que Carole ouvre sa grande gueule, personne ne l'aurait cru. Ouais. Personne. Ouais. Parce que c'était presque un saint homme dans la collectivité. Oh oui, c'est tout des messieurs bien. Ah, écoutez, Guy de Loutier. Le plus bel exemple, c'est Guy de Loutier. Ben oui. Ce gars-là, tout le monde y aurait donné le bon Dieu sans confession. Ouais. Mais tu sais, pour le respect, on repassera. En tout cas, vous savez, s'il n'avait pas été piégé, là, Nathalie Simard avait aucune chance contre lui. Je lève mon chapeau à Nathalie. Oh, oui. Bon. Puis les policiers aussi ont été très corrects. Ils l'ont frémé solide. Oui. Parce qu'autrement, là, Nathalie Simard était perdue. Jamais. Écoute. Non, elle aurait été discréditée. Je sais, j'ai écouté certains de ses proches, là. Puis il n'y a aucun ami de Guy de Loutier qui aurait cru Nathalie Simard. Aucun. Pas du tout. N'eût été le fait qu'il s'est avoué lui-même qu'il était piégé solide. Ils sont tombés à terre. Tous ceux qui étaient les amis, première réaction, c'était de le protéger. Il sait rien. Il y a encore le roi René qui se promène. Mais je comprends pas. Mais moi, je l'ai écouté, imaginez-vous. Non. Dites-moi pas que vous l'avez écouté. Je vais être désappointé de vous. Je l'ai écouté, pas parce qu'il m'intéresse. C'est parce qu'il a fait exactement la même chose que son ami. Mais lui... Qu'est-ce que vous dites là? Vous l'avez mauvaise langue après-midi? La différence, c'est qu'il l'a marié. Oh, vous êtes pas fine!
Tu me chantes, hein? Oui. C'est ça que je pense. Carole, merci beaucoup. Tout à coup que c'est vrai ce que vous dites. J'aimerais rappeler quelque chose. Est-ce que je peux dire encore une chose? Oui, allez-y. Je travaille maintenant dans le domaine des affaires. Oui. Il n'y a rien de changé. Bon, non. Aujourd'hui, dans le domaine des affaires, il faut performer. Oui. On a notre nom écrit sur un tableau. Oui. Puis là, si tu performes pas assez, ben t'es en bas de la liste. Oui. On utilise encore la honte pour faire avancer l'humiliation. Exactement. Mais Carole, ce que je retiens, l'image là, que je retiens de votre intervention, que les professeurs à l'époque là, où vous parliez des séances d'humiliation, ils avaient plus de respect pour le drapeau que pour les élèves de leur école. Bien sûr, ça a même affaire avec votre dernier tableau. Ça a fait de moi une grande gueule qui dénonce. Ça en prend quelques-uns. Mais... vous savez, des grandes gueules comme vous, là... quelques-uns dans une société, puis ça vire toute la culture à l'envers. Alors là, je sais pas. Bye. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Selon votre expérience, selon votre vécu, une personne, une bonne personne, honnête, qui n'a pas de malice, une personne qui facilite les relations avec les autres, est-ce qu'elle va avancer plus rapidement qu'un pitbull ou bien est-ce qu'elle va être considérée comme une personne faible? On parle à Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Jacques. Docteur Mailloux, étant donné que vous aimez ça, qu'on commence par le début, vous allez m'obliger à tenir une réflexion à l'envers. Lâchez-vous. Allez-y. Votre réceptionniste, tantôt, me demandait si j'avais vécu ça ou si je le vivais. Non seulement je le vis et je l'ai vécu, mais tout le monde connaît plusieurs personnes autour de soi qui vit ce que j'appelle, moi, des power trips. Et je pense que si on était une civilisation plus évoluée, on devrait faire passer des tests de dépistage aux gens qui se présentent pour occuper des positions d'autorité, pour éviter justement que ce soit des personnes qui se présentent à ces postes-là par frustration antérieure dans l'enfance. Oui, des espèces de cindelés bien enrobés avec cravate et veston. Quand vous... renier un enfant, quand vous le bafouez, quand vous l'écrasez, quand vous l'assujettissez à vos directives, quand vous l'élevez, quoi. Plus tard, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut faire un directeur de club d'hockey, il veut faire un directeur de compagnie pour compenser l'écrasement qu'il a subi quand il était jeune. Il veut faire un chef de parti, il veut faire un pitbull. Yeah. Alors, je réponds à Mme Ross, oui. Faire un petit boule. Oui. Tandis que les doux... On appelle ça une formation réactionnelle, Oui. Tandis que les doux, s'ils sont doux parce qu'ils ont été écrasés, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour contrôler, pour diriger, pour organiser? Si écrasés, non. Si c'est dans ta nature d'être conciliant, d'être ouvert à l'autre, peut-être que là, c'est pas de la faiblesse. Tu peux peut-être faire quelque chose comme ça, avec ce caractère-là. Oui. Et je pense que c'est là qu'il faut distinguer entre le leadership et le pouvoir. Il y avait quelqu'un, quand j'étais jeune, qui m'avait fait une allégorie. Il m'avait dit, quand un capitaine de bateau est obligé de grimper sur son mât pour dire à ses mousses, c'est moi le capitaine, c'est parce que ça fait longtemps qu'il l'est plus. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'un leader, il s'impose, c'est naturel. Il n'a pas besoin d'utiliser son pouvoir, c'est non-verbal. C'est ça. Par son agissement, il transpire, les autres le suivent. Exactement. C'est ça, avoir du leadership. Il y a plus d'autorité que de pouvoir. Attends, c'est ce qui s'est passé instantanément avec le Canadien, avec Gainé et Carbonneau. Ça a été instantané. Est-ce que ça va durer? Je le sais pas, là. Mais ce que vous venez de dire est confirmé par l'histoire récente du club de hockey canadien, où ils ont battu deux grosses équipes, une après l'autre, contre toute attente. Il n'y a personne... Il n'y a absolument personne qui croyait que le Canadien pouvait battre Dallas, une des meilleures équipes sur la route de la Ligue nationale. Donc, instantanément, juste le fait, aucune préparation spéciale. Il n'y a rien eu. Rien de changé. Rien. Rien de rien, si ce n'est la présence de Gainé et de Carbonneau. Et ça a été instantané. Je ne dis pas, Dr. Mailloux, que vous n'avez pas raison, mais il y a une autre école de pensée là-dessus. C'est que certains prétendent que l'équipe a fait face au grand Manitou. Et le grand Manitou, il leur a dit « Si vous ne donnez pas du rendement, je vais faire des échanges. » Les échanges étaient dans l'air. Les échanges étaient dans l'air depuis deux mois.
Oui, mais ça pourrait aller plus loin. Parce que quelqu'un qui dit à la radio, avec Bob Gainey, là, comme coach, là, il y en a pas qui vont attacher du tape après leur bottine quand le coach va parler. Parce que là, c'est plus rien que l'entraîneur, c'est le directeur général du Canadien, là. Non, d'aucune façon, ces joueurs, écoutez, quelle a été la première déclaration d'Alex Kovalev? Il a dit, on nous a enlevé nos menottes. N'oubliez pas. Puis il y a une grande rap à Kovalev, il est intéressant, il est à suivre ce gars-là. Parce que lui, il pense qu'il est dans un pays libre. Ah, il dit, pour un petit bout de temps, il va dire tout ce qu'il pense. Jusqu'à temps qu'on lui fasse faire ma gueule, là. Mais ouais. Pour l'instant, lui, il se croit dans un pays libre. Il pense qu'il a le droit de s'exprimer. Mais quand il dit menottes, Pierre, c'est qu'il est tentative. Alors, sa première déclaration, on dit, hey, tout d'un coup, il dit enlever les menottes. Fait que Markov s'est mis à jouer. Mais c'est qu'il y a eu tentative de le faire fermer, Pierre. Si non. Avant, les joueurs étaient menottés. Il y a plusieurs joueurs qui étaient menottés. Mais c'est quoi ça? C'est de la censure? Qu'est-ce que ça veut dire, menotté? C'était menotté dans leur talent. Leur talent était menotté. À cause des consignes. Les consignes étaient menottantes pour plusieurs joueurs. C'est exactement ce qui se passe à maternelle. C'est la même chose, c'est la même dynamique. C'est que tout ça se ressemble, c'est la même chose. Un coach ne doit pas driver son équipe, il doit l'accompagner. Ben voyons, il n'y a pas un coach qui compte des buts. Ça se prend, ça? Même si vous donnez 700 000 piastres à un coach, écoute bien, Ticasse, tu compteras pas de buts. Jamais. Bon. Mais tu peux être, comme disait Maurice, un facilitateur. À Montréal, c'est que les coachs veulent devenir des vedettes. Ben là, Pierre, vous tombez dans le power trip dont Jacques nous parle. Très rapidement, les coachs entrent en compétition avec les vedettes des clubs de hockey à Montréal. Il n'y a personne qui a jamais soulevé ça. Et Jacques, vous vous situez où, vous? Pas très loin de là. Je suis, c'est tout. Oui, puis ça vous a réussi? Oui. Attendez, je suis, c'est tout. Mais c'est quoi ce grand constat-là cet après-midi? Non, c'est pas un grand constat. Mais quelle humilité? Non. Je suis, c'est tout. Non, c'est pas une humilité, c'est le fait de savoir que je vais durer 70, 75, 80 ans, c'est tout. Non, mais je suis. C'est ça, je ne suis. Je me contente d'être ce que je suis. Mais j'y goûte, par exemple. Je me contente d'être... Hey, on n'entend pas ça souvent, là. Ni sur nos ondes, ni à nulle part. Vous lirez pas ça souvent dans les journaux, là. Je me contente d'être ce que je suis. J'ai déjà dit, mon bonheur est dans mon souffle. Oh. Mais à quoi vous goûtez, Jacques? À chaque instant, ou si vous y goûtez, on vous fait payer votre façon d'être? Oh, à l'occasion, quand je sors la langue de mes poches, je peux rencontrer des murs, c'est sûr. Oui. Il faut payer sa liberté, il faut avoir la conviction C'est ça que Kovalev n'a pas compris. C'est que la liberté d'expression, dans notre société, oui, elle est permise, mais il y a un prix et il peut être élevé. Alors qu'à Cuba, il n'y a même pas de prix. C'est bien de valeur, c'est la prison. Mais pour vous répondre, Mme Ross, directement, là, mon bonheur, je le trouve dans la vie, tout simplement. Le fait de vivre, d'être vivant. Sans tenter d'en imposer aux autres, sans tenter de convaincre quiconque. C'est ça que je retiens. Est-ce que ça va, ça? Ben, j'ai découvert ça il y a à peu près 10 ans. vous étiez dans un autre mode avant? Oui. OK. J'arrive de loin. Je me contente d'être ce que je suis. Oh, vous êtes plein. Mais je le vis, par exemple. En plus, je le vis. Oh. Ça a l'air d'être bon. Oui. Ça a l'air d'être bon. Je suis, c'est tout. Hey, ça fait longtemps qu'on... Oui. Celle-là, des phrases aussi lourdes, aussi courtes et aussi lourdes, ça arrive pas trop souvent en onde, là. Hey, vous êtes... Ouais, vous êtes profond cet après-midi, vous? Ouais, je suis, c'est tout. Bon, je vais vous laisser à vos sujets. Bye. Merci, Jacques. Je me contente d'être ce que je suis. Je le vis. C'est déjà quelque chose. Beaucoup d'acceptation, hein? Oh! Oui. Il est-tu contre-culture à ton goût? C'est plus que ça, là. C'est bien. Impossible. C'est bien. On parle à Mireille. Bonjour, Mireille. Oui, bonjour. Bonjour, Mireille. Alors, pour revenir à votre sujet du jour, je pense à cette dame là, qui parlait tout à l'heure de son petit enfant. Là. Est-ce que, d'après vous, c'est dans les premières années d'école qu'on peut briser un enfant? Oui. Ouais. Et c'est là que les bonnes femmes du Québec mettent le paquet.
C'est ça. Parce oui. que moi, c'est ça, ça m'a fait penser à mon petit-fils qui était un petit enfant jusqu'à l'âge où il est entré en maternelle. Un enfant joyeux, aimant la vie, tout ça, de bon caractère, pas un lion, pas un pitbull, un bon petit garçon, là, oui. tu sais. Et finalement, aujourd'hui, au bout de 12 ans plus tard, il est devenu un délinquant notoire, là, tu sais. Oui. En ce sens qu'il est dans un centre d'accueil et tout ça, mais je regarde son cheminement à partir de la maternelle et son changement. C'est ça. Alors, il était peut-être un peu indiscipliné parce que justement, il était pas structuré comme la majorité des enfants qui arrivent à l'école et tout ça. Et j'ai vu son cheminement à partir de l'école et j'ai vu. Puis de toute façon, il n'est pas scolarisé du tout. Il a fait simplement les bancs d'école. Il a sorti dehors. En tout cas, il suivait jamais le groupe. Mais c'était quand même un bon caractère et c'est ce qu'on a. Puis moi, c'est ce que je peux dire, c'était un bon enfant. C'était pas un enfant tout croche. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il a jamais été heureux à l'école. Il a jamais été compris. Il était toujours en dehors des autres. Pas parce que c'était mon petit-fils, mais je ne le comprenais pas parce qu'il était intelligent et tout ça. Mais je me souviens que sa mère souvent justement faisait ce que cette mère-là tout à l'heure faisait, c'est que quand il arrivait quelque chose, elle intervenait. Et je me demande si ça n'a pas justement continué à suivre son enfant tout le temps. Exactement. Mmh. C'est ça, là. C'est très dangereux. Alors, j'avertis les femmes du Québec, les mères, s'il vous plaît, pensez-y deux fois avant d'intervenir. Particulièrement au niveau de la maternelle ou de la première année, ça peut suivre l'enfant pour 10 ans. Mais quand il y a de l'abus, les bonnes femmes au Québec ne tolèrent pas d'être reprises, ne tolèrent pas les reproches. Oubliez pas ça. Elles sont revanchardes comme des maudites. C'est comme s'il fallait accepter tout ce qu'elles font en pesant encore plus sur l'enfant. Puis moi, j'en remettais. Oui. Moi, j'en remettais parce que il avait de la difficulté au niveau du transport scolaire. Puis je me souviens, entre autres, que quand je le voyais descendre de l'autobus, sa mère n'était pas là, c'est moi qui le recevais souvent, puis et tout ça. Alors, des fois, je le voyais sortir. Des fois, je le voyais sortir débiné, là. Tu sais, comme quelqu'un qui a fait un voyage, mais exécrable, ça n'a pas de bon sens. Puis je disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Comment ça, rien? Alors, finalement, j'arrivais à bout de me faire dire, ben c'est la fille qui était en charge de l'autobus, elle m'a tenu les cheveux. Tu sais, là, il y avait comme une espèce de violence qui se passait dans l'autobus scolaire. Puis moi, pas trop fine, je suis pas sûre si j'ai bien fait, mais pour essayer de lui dire, mais écoute, tu te défends pas. Ben non, c'est une fille. Comment ça, c'est une fille? Ben une fille qui tire les cheveux, c'est plus une fille. Pour moi, c'est une fille qui a le goût de se battre. Fait que tu en sacs un bon. Peut-être qu'il l'a laissé. Puis là, je disais, si tu le fais pas, si tu veux, je vais aller régler ça. Moi, tu sais, je veux dire, finalement, tout ce milieu scolaire-là où il y a le silence, où il faut que tu acceptes les choses, faut pas que tu en parles. Tout ça parce que finalement, c'est une fille. C'est ce qu'on lui disait. Ben, c'est une fille, tu te bats pas. C'est une fille, tu te défends pas. Et ça a continué tout le temps, ça finalement. Ça dépend qu'est-ce que la fille fait, là. Ben là, quand la fille, elle tire les cheveux, elle tient la tête en arrière tout le long du voyage parce que c'est elle qui est en charge. Pourquoi? Est-ce que c'est qu'elle fait ça? Je veux dire. Elle était plus vieille que lui, hein? Ben, évidemment. Elle l'immobilisait par les cheveux. Elle l'immobilisait, puis tout le long du voyage, il se sentait quoi, lui? Puis il pouvait pas se défendre. Il se fait des choses. Écoutez, on prétend être civilisé. Lorsqu'il s'agit d'animer une tribune, de recevoir les confidences du public pour voir que dans bien des coins, ça vole pas haut. Ouais. Le petit gars, si dans son enfance, il a bien été acheminé, dans le milieu scolaire, tu peux déboîter bien des affaires. Mais hein? On peut l'acheminer, mais on peut pas aller loin finalement parce que partout il est bloqué. Il était bloqué. Aujourd'hui, finalement, au bout d'un certain temps, il s'est étonné probablement de ce système où est-ce que c'est qu'il était victime. Et puis il est devenu agresseur. Ça peut. Sa délinquance peut être une révolte légitime. Je dis bien peut. Pourquoi acheter au bout? Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. OK, alors on recentre sur notre sujet. Bonne personne, personne honnête, une personne qui a pas de malice. Est-ce que cette personne-là peut faire son chemin dans la vie plus rapidement ou également à un pitbull, quelqu'un qui est enragé puis qui tasse tout le monde pour faire son chemin? On parle à Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à vous deux. Bonjour Sylvain. Oui, faut-il être un pitbull pour progresser? Pas nécessairement, mais je vous avoue qu'il faut au moins savoir quelquefois intimider ou manipuler l'autre pour obtenir quelque chose, surtout dans une structure sociale comme le gouvernement, des affaires de même. Savoir intimider, manipuler. Au moins le savoir, tu sais. Espèce d'immoral. Oui. Ben moi là, quand... Non, mais avez-vous mangé le genre de valeur morale que vous prônez cet après-midi? Y avez-vous réfléchi deux minutes? Savoir intimider, manipuler, c'est criminel! Ben, vous prônez!
quand tu y vas parler... L'immoralité que relationnelle. Mais à un moment donné, on finit par ne plus croire à la diplomatie. Tu sais, t'es diplomate, t'es gentil, t'es poli, ça avance pas. Ben, exactement. Tu donnes un coup de poing sur la table, puis ça avance. C'est quoi ça? Oui, ben c'est comme ça au Québec, en tout cas. Moi, là, quand j'étais petit, je parlais très, très peu dans la famille, à l'école, dans le sport, groupe de musique, réunion de travail. Puis je passais la plupart du temps complètement inaperçu, voire avec le temps manipulable, fragile, puis sans opinion. Mais j'étais toléré très bien parce que j'étais gentil, sensible, performant, puis j'avais du talent. Je réussissais, je saisissais vite l'essence, puis je faisais je dérangeais personne dans mes babelles, oui. Je faisais le travail. Oui. Mais les quelques fois que j'ai poussé mon argumentaire fort, franc, direct, puis d'entrée de jeu, au lieu d'attendre 2-3 semaines avant d'ouvrir la bouche, j'ai été floché systématiquement par ma famille maternelle. Je me rappelle des mots. C'est la dernière fois que je les ai vus, c'est à peu près 8 ans. C'est la grand-mère et 3 filles. Hein. C'est maternelle, non, maternelle. Non. Pas en but au matriarcat québécois. Ça n'existe pas, le matriarcat québécois. Non, mais c'est les hommes qui sont les gros méchants. Je me rappelle des 2 dernières phrases. Écoutez, la grand-mère puis 3 greluches et 3 gonzesses... C'est toi, Greluche, qui sont de mauvaise foi ou... La phrase assassine. T'as bien changé, on te reconnaît plus. Ben oui. Non, on veut plus te voir. C'est clair. Avec les amis, même chose. C'est pas que je les ai insultés. J'ai dit, oh, je connais, je m'emmerde, je m'en vais en Europe 6 mois. Ça, c'était des chats? Non, mais juste le fait de prendre ma liberté unilatéralement, quand je suis revenu, plus d'appels, plus de contacts. Tu comprends? C'est juste le fait de prendre une liberté qu'il ne me reconnaissait pas comme quelqu'un qui avait le potentiel parce que je m'intéresse à peu de choses. Oui. Tu comprends? Avec l'ex, c'est la même chose. J'ai été taxé d'ingrat, agressif, insensible, violent, méprisant, arrogant, misogyne. Oh, oui. Ça ressemble au qualificatif qu'on m'a affublé, ça, depuis un certain temps. Oui, ça vous ressemble. Au travail, la même chose. J'ai été floché au bout de 2 ans. J'ai pas parlé à peu près pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, quand j'ai remis mon petit rapport, ça a pas plu... Ça n'a pas plus la direction. Bon, peu importe. Dans tous ces domaines-là, le fait d'être floché, moi, ça me dérange pas. Parce qu'au fond de moi, c'est le regard de l'autre. Au regard de l'autre, j'étais bonasse. Ben, en dedans de moi, je n'ai jamais senti ça. Moi, j'étais plutôt réservé, sensible, observateur. Oui. Vous m'aviez même dit une fois schizoïde. Réservé, sensible, oui. C'est ça. Mais ça, cette personnalité-là, elle demeure. Ben oui. Mais j'ai appris à faire semblant d'être en crise ou être faire semblant d'être naïf ou autoritaire lorsque je veux quelque chose de précis au gouvernement, par exemple. Ouais. C'est très rare, tu sais, parce que je vis seul, puis moi, là, convaincre, là, ça m'intéresse pas pantoute. Oui. Et ça vous réussit dans la formule plus agressive? Quand je vois devant moi une bonne femme ou une boîte vocale, il faut bien que tu parles à quelqu'un, mais ah, pour avoir ton papier, là. Oh, oui. Mais c'est ça, c'est juste apprendre à ça, puis j'ai pas à l'utiliser si souvent que ça, parce que je suis quelqu'un qui vit pas mal seul. Puis vous arrivez à faire votre chemin? Oui. Mais c'est le regard de l'autre, moi, qui m'a troublé au fil des ans. Mm-hmm. Parce que quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte, j'avais pas d'intérêt. Je parlais pas. Oui. Et quand je commençais à m'affirmer sur des choses que je ressentais depuis des années, mais c'était pas clair, oui. On dirait que l'idée de bonasse et de manipulable se change en quelqu'un qui est fin observateur et peut-être me démasquerait. Oui, il y a un prix, pour se tenir debout, il y a un prix pour s'affirmer, même dans une société qui se prétend émancipée. Alors, on ne l'est pas tant que ça, c'est pas vrai. Ben, individuellement, c'est ça. Et vous l'avez appris dans votre micro-société, vous, dans votre famille. Ouais. La bonne femme, la grand-mère du côté maternel, puis ses 3 filles, pas plus intelligentes. Dès que vous vous êtes affirmé, puis on veut plus te voir. Alors, c'est... Écoutez, les bonnes femmes au Québec tiennent à l'hégémonie. Mais Pierre, familial, quand ça, Janine, c'est évident. J'ai hâte que quelqu'un d'autre que moi le voit clairement. Mais ce que Sylvain nous rapportait tantôt, si j'ai bien compris, Sylvain, c'est un de vos amis, c'est vos amis de gars, quand vous avez décidé de partir en voyage, qui après ça, ça a fermé. Les gens étaient comme surpris. Ah oui, mais c'est déféminisé. Ça a été élevé par des bonnes femmes comme votre grand-mère et ses filles. C'est de cette étoffe-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui, même que... Il y a une tradition culturelle. C'est pas anodin, ça, dont on parle après-midi. Oui, puis même que ma seule cousine, qui est à peu près de mon âge, de ces 3 filles-là, là, oui. Il n'y avait pas de modèle mâle chez nous. Là. Bon. Mais non, c'est un modèle féminin, matriarcat. C'est ça. Mais la fille que je trouvais bien intelligente, elle aussi, oui. M'a dit,
en pleurant, la seule fois que je l'ai revue depuis ce temps-là, elle m'a appelé, elle m'a dit « Pourquoi tu nous as abandonnés? » Ah, parce mais que vous étiez la seule image masculine? Ben, c'est clair. Ouais, ouais. Ben, chez mon père à 8 ans, puis j'étais le petit mari, tu sais. Ouais. Mon c'est frère est en passant. Ah, je sais que je suis le seul gars. Bon. Excellent. Merci, Sylvain. Bye-bye. Salut. Le vide masculin du Québec. Ouais. On parle à Denise. Bonjour, ça va bien, vous autres? Bonne année en passant. Oui, vous aussi. Vous depuis 2006. Madame Janine. Oui, bonjour, c'est Denise. Alors, moi, j'appelle encore... Vous pardon, parlez... rappelez-moi votre prénom. Denise. De Denise, excusez-moi. Denise, oui. C'est écrit en envers, là. Oui, allez-y. OK. Vous demandiez tantôt si on devrait être pile-boule ou si on... C'est certain que si on est trop bonasse, si on est trop, on accepte tout, on n'avance pas à grand-chose. Moi, j'ai décidé de mettre mes culottes et je me suis fait mettre dehors, littéralement, mais je m'en fous parce que je savais ce que j'avais à dire. Je voulais le dire au bon moment puis au temps qu'il fallait le dire. Et je travaillais dans une compagnie, j'avais changé de job complètement différent. Je travaillais dans un bureau. Ensuite, je me suis retrouvée dans une usine. Je voulais faire quelque chose de différent. Alors, j'ai travaillé dans une usine d'alimentation. Et il y avait une personne en particulier dans le groupe qui me tombait tout le temps sur la tomate. Elle m'humiliait devant les autres employés. À un moment donné... Non, bon, vous êtes, mais une femme fait pas ça. Oh, oui, la femme au Québec, c'est la bonté incarnée. Ouais, vous êtes mauvaise langue. Ouais, mais c'est vous, elle a frappé l'exception, faire? Pierre. Ouais. Mais une femme, ce qu'elle devrait faire, là, elle devrait penser comme un homme, être féminine et avoir un cœur tendre. Mais penser comme un homme dans certaines situations. OK? À un moment donné, cette femme-là, elle m'a insulté carrément, puis elle me disait, ah, oh, c'est parce que t'as manqué de sexe. En tout cas, moi, là, ça m'avait fâché. Fait qu'avant, quand elle m'avait déjà insulté, ça m'avait de la peine, je pleurais. Mais cette fois-ci, j'ai décidé, non, je pleure plus, je vais me mettre les deux pieds à terre. J'ai dit à la fille, j'ai dit, la prochaine fois que t'auras quelque chose de stupide de même à dire, j'aimerais ça que tu te dises, quand le surveillant va être sur le plancher, dis-le devant lui ce que t'as à me dire, puis après ça, on verra si t'es capable de le dire. En tout cas, ils se sont toutes fermées la gueule, ce groupe-là. Puis c'était des femmes qui étaient, excusez le mot, mais étaient irascibles. Des nouveaux employés qui arrivaient, là, monsieur, ouais. Là, ils les maltraitaient puis ils les humiliaient devant les autres. Ouais. Des affaires, je peux pas vous compter au téléphone même. Et moi, des affaires comme quoi? Non, non, c'est comptez-les, c'est raison de plus pour les compter. Il y a un jeune homme qui était venu travailler avec nous. Oui. Autres, là. Puis une des femmes, puis là, j'ai su par après, moi, que maintenant, elle, cette femme-là, est rendue avec le surveillant qui m'a fait mettre dehors, OK? Oui. Elle a dit, elle passe un commentaire à un jeune homme, elle va à côté, elle va en arrière de lui, puis elle commence à sentir en arrière de ses fesses. Elle dit, moi, je trouvais que ça sentait la couche, ça sentait le caca. Elle va dire ça devant tout le monde, devant le gars. Oui. OK? Puis là, le gars, lui, il est resté sur le pied, c'était un jeune homme très bien, il travaillait très bien, il faisait son gros possible, c'était un job dur parce qu'on était debout 8 heures, des fois, on faisait de l'overtime, en tout cas, c'était difficile le travail, mais le petit gars, il faisait son mieux, puis moi, je le voyais, puis il était très respectueux des autres. Ouais. Quand elle a dit ça, le petit jeune homme, il a pas dit un mot, elle est allée aux toilettes, elle s'en va aux toilettes, elle s'en va fumer sa cigarette dans la cachette, elle revient... Puis là, le jeune homme, mais lui a fait l'erreur qu'elle elle a fait attention à ce qu'elle disait. Elle l'a pas dit devant le surveillant. Mais lui, il va dire devant le surveillant. Il dit, ça t'a pris du temps à changer ta couche. Il dit, t'es-tu propre, là? Fait qu'il envoie ça devant le surveillant. Ben lui, le lendemain, il était dehors. C'est lui, ouais. Mais voyez-vous, c'est lui là, qui a payé. Bon. Fait que c'était des choses comme ça qui se passaient tout le temps. Et à un moment donné, moi, le surveillant, celui qui avait une rogne tout le temps contre moi, parce que je m'étais déjà défendue avec son sablon d'aujourd'hui, là, OK? Il m'a emmené devant le patron. Fait que là, il dit, laissez-moi parler. Fait que j'ai dit, OK, monsieur, parlez, mais quand vous allez terminer, moi, je vais parler, puis vous allez sortir de la porte. Puis je vais parler tout seul au patron. Fait que c'est ça qui est arrivé, puis j'ai perdu ma job. Je savais qu'il me reprendrait pas. Mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous vous êtes tenu debout. Oui. Et vous êtes demeuré avec une fierté, un sentiment de fierté. Exactement. À l'intérieur Pourquoi de vous. Pas être victime. Si on Denise, se défend pas, on devient Denise, une victime. Le sentiment de fierté. Oui. Est bon à être goûté. Oui, puis il y a une autre chose, monsieur. Bye, Denise. Bye. Et notre animatrice, Janine Ross. Même si on est une bonne personne, honnête, qui a pas beaucoup de malice, qui est un facilitateur dans les relations humaines, Pierre. On peut être obligé de mettre le poing sur la table et c'est bien correct. Et ces gens-là, je pense, en tout cas d'après tout ce qu'on a eu comme appel, peuvent avancer. C'est quand même particulier hein, de promouvoir ouvertement l'antimorale. L'antimorale. Et, Sylvain appelle et dit, écoute, c'est important de savoir intimider et manipuler. Ben oui, mais c'est antimoral, ça. Les moraleux défrisent quand on dit ça. Il n'y a pas un moraleux qui va accepter le propos de Sylvain. C'est contre-culture, c'est antimoral. C'est immoral.
C'est pas seulement amoral, c'est contre la morale. Mais c'est ce que beaucoup croient, Pierre. Savoir intimider. Je vais te dire crûment ce qu'il en est. Hein? Il est important d'apprendre à tous les enfants à être capable d'envoyer chier quelqu'un lorsque c'est le temps. Ben, c'est ce que Sylvain nous dit. C'est pas beau ce que je viens de dire. C'est ça l'éducation. Quand c'est le temps d'envoyer chier quelqu'un, va chier et t'ajoute un bon sac. Si quelqu'un est pas capable de faire ça, il est fait. Il est fait parce que la loi dominante, elle est au plus fort la poche. Ça se peut-tu? Dans 50 ans, mon propos va peut-être être dépassé. On parle à Claude. Bonjour, Claude. C'est épouvantable, un psychiatre qui dit des affaires comme ça. C'est un langage obscène, Claude. Mettez fin à ce langage obscène et inacceptable pour la tribu. Il n'est pas question d'envoyer chier quelqu'un. Tu lui dis, tu fais la job ou tu ne la fais pas. C'est aussi simple que ça. Vous êtes quoi? On n'envoie pas promener le monde? On fait valoir son point, par exemple. C'est ça, hein? Garde bien, là. J'ai été chef d'équipe. J'ai été foreman. J'ai travaillé sur des chantiers. Oui. J'en ai vu du monde. Oui. Mais c'est bien sûr que si le premier pas de travail qu'il va faire, tu lui dis, va chier, mange la marde, t'es dehors, tu vas peut-être perdre un bon travailleur. Non, je ne disais pas ça. Oups, on s'est mal compris, là. Je parlais de quelqu'un qui utilise son poste d'autorité pour un subordonné. Oui. Oui, parce que... Ou bien un fonctionnaire. Tu sais, un fonctionnaire qui t'appelle, à un moment donné, tu dis, écoute, va donc chier, câlisse. T'écœure-moi pas. moi, ce que je peux vous dire, c'est que clairer quelqu'un ou le poste... Il y en a du monde. On parlait du club de hockey. Le club de hockey, là, c'est soit le coach il saute, soit qu'il met les gars de son bord, ou soit c'est le coach qui saute. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Et ils peuvent pas clairer 20 gars. Non. Fait que si t'es mineur, les 20 gars, tu, en tout cas, tu vas essayer d'en mettre au moins 15 sur ton bord. Mm-hmm. Tu vas être, moi. J'aime pas tellement cette dynamique. En tout cas, continuez. Mais là. Il va être respecté, c'est ça que vous voulez dire, Claude? Pas nécessairement. Si t'arrives à te faire respecter par 15 de ton équipe de 20. Là, on base notre modus operandi, notre façon d'opérer sur la manipulation. Ça ne fait qu'un temps. C'est de la mauvaise psychologie. Mais c'est et vous le savez d'ailleurs. La vie, c'est ça. Mais la vie, écoutez, ça ne dure pas. Il y a des modes, il y a des façons de faire qui peuvent être plus durables que d'autres. Écoutez-moi bien. J'ai travaillé dans des usines. Oui. J'ai été chef d'équipe, foreman. Oui. Puis j'ai fait des chantiers. Puis je sais très bien que si t'as pas le... Il y a une manière à faire pour mettre le monde de ton bord. Si c'est toi qui es le premier, puis que ça marche pas, ben tu vas te faire frapper sa tête. Je vais vous dire simplement ceci. Ça dépend qui vous engagez. Mais quand c'est pas toi qui engage... Mais ça dépend de celui... Ça dépend de celui qui engage. Oui, mais le coach, là, c'est pas lui qui engage. Il est pris avec les joueurs. Mm-hmm. Ouais, ben là, Son équipe est formée, puis c'est ça. Il faut que les joueurs marchent. S'il y a eu une mauvaise sélection, là, il n'y a rien à faire. Oui, mais dans la vraie vie, là, c'est ça. Là. Si tu es foreman dans une usine, là, tu es pris avec les gars qui sont là. Puis si c'est syndiqué, ben là, c'est encore pire. Bon, on va finalement y arriver au syndicat. Mais tu manœuvres comment? Alors, on a parlé du garde-fou, puis maintenant, on arrive au syndicat. Tu mets les gars de ton bord. C'est quoi, ça, cette bébite-là? C'est quoi la dynamique de cette gang-là que personne n'ose critiquer? Écoutez-moi bien. Ça, c'est un peu comme le bonnet, ça. Personne n'ose critiquer ça au Québec. C'est une vache sacrée, là. Docteur Mailloux, j'ai tout le temps travaillé dans des domaines non syndiqués. Je suis rendu à 43 ans. Oui. Et puis maintenant, j'ai lâché ma job de foreman dans une usine non syndiquée. Oui. Puis ils m'ont fait un pont d'or pour aller soudeur dans une usine syndiquée. Oui. Puis je vais vous dire une affaire, un syndicat, ça rend débile un petit peu. Arrête donc, vous êtes mauvaise langue, vous, Itou. Pas rien qu'un peu. Pourquoi un syndicat rend-il débile? C'est un autre monde. Vous êtes un autre monde. T'en fais le moins,
puis ça va être correct, puis fais-en pas plus. Oh! Ben, ça vous rend... comme ça. Bon, ça vous rend malheureux. Oh, vous donnez raison au Bougon, l'année passée. Vous souvenez-vous, il y avait une émission là-dessus? Oui, je les écoute, les Bougons, là, mais je suis pas Bougon pour ça. Oh, qui avait donné une mauvaise image, un mauvais reflet des syndicats l'année passée dans les Bougons. Ça rend débile. Ben, expliquez-vous. Le mot, c'est tu n'en fais le moins possible... Puis, si la compagnie vire, ils font de l'argent, ça va être correct. Gars, arrête-toi de travailler, là, si t'as 15 minutes, là, à toutes les heures, prends-les. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, vous, mais vous quand t'es foreman, là, quand t'es foreman... Ça ne s'est pas produit comme ça. Là, c'est non, d'autres choses. Claude, ça ne s'est pas produit comme ça, mais pas du tout chez Papier Gaspésia. Ça a été un succès bœuf, la construction de cette usine-là. Tout s'est effondré. C'est pas compliqué. Un grand succès qui vient vous contredire. Mais Claude, pourquoi vous êtes allé du côté d'une entreprise syndiquée? Pourquoi quelles ont été vos motivations? Est-ce que c'était la sécurité? Sauf erreur, non. On lui a offert un pont d'art, c'est ça. Il y a un autre son. L'avez-vous accepté, le pont d'art? Oui. Oh! Shame on you! Non. Attendez un peu, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que vous changiez complètement? J'ai travaillé pour une autre compagnie. Oui. Pour une autre compagnie. J'ai fait des chantiers. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait rien. Là, après ça, il a fallu que je change de place, là, parce qu'à un moment donné, la compagnie, là, ça a fermé. Hey, juste une question de l'autre. Quand vous soudez, combien de l'heure? Ben là, je suis pas dans la région, là, de Québec, là, mais moi, je travaille à 13$. Pardon? À 13$. 13$? Oui. Puis comme ça soudeur? Ça fait 20 ans que je travaille là-dedans. Comme soudeur? Oui. Comment ça fait que vous gagnez pas plus cher que ça, vous? Parce que je fais plus de chantier. Ah! Okay. Merci, Claude.